c'est le badge piscine gonflable, Wawa? Ils l'obtiendront en s'amusant dans la piscine et en faisant très attention. C'est parti, tout le monde! Un par un! N'oubliez pas, on ne court pas autour de la piscine. Pas d'acrobatie. Interdiction de manger. Interdiction de plonger. Interdiction d'éclabousser. Non, on ne pousse pas. Interdiction de... Bon, d'accord. Tout le monde s'est bien rafraîchi? Oui! J'adore les paillettes! Je déchire, je déchire, je déchire! J'adore les plumes! Et la colle! J'adore colorier sans dépasser! Alors, votre carte est magnifique, les petits loups. On va la porter à Lee. Wouf! On va chez Nini, sur le dos de Wawa. On va chez Nini, oh un nuage. On va chez Nini, oh des bambous. On va chez Nini, oh... C'est Miam Miam le panda. Oh, mes petits chéris, je suis si contente de vous voir. Qu'est-ce que tu as, Miam Miam? Oh, mes petits, Miam Miam a un mal de ventre terrible. J'ai tellement faim. Mais pourquoi tu ne manges pas tout ce bambou? Miam Miam ne peut pas monter si haut, mes petits choux. Elle est toute petite. Alors on va t'aider. Un peu plus à gauche, mes chéris. Non, plus à droite. Parfait, mes petits choux! Bambou! Bambou! Bam, bam, bambou! Ouh, merci, mes chéris! Oh, mon petit ventre se sent déjà bien mieux! Tu t'es fait mal, Waf Waf? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais. Regarde, Waf Waf. 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 J'adore grenouille.
je n'ai même pas eu peur. Là-haut! La voix vient de là-haut! Oh, oui! Oh, enfin! On vient à mon secours! Voici le Lord Waff du château des Terriers. Bonjour! Je suis ravi que vous m'ayez trouvé. Je regardais tranquillement la vue depuis ma tourelle quand ces vilaines souris m'ont enfermé ici. Allez savoir ce qu'elles mijotent encore. Elles grignotent probablement le fil du téléphone. Oh, ces vilaines souris! Oui, mais au moins, j'ai une vue splendide d'ici. Il n'y a plus de brouillard maintenant. Eh oui, c'est exact, les petits loups. Quand le ciel est dégagé, on peut voir le monde entier. C'était quoi ça, Wawa? Oh, ouf! C'était un sifflement. Et comment on fait pour siffler? Oh, Wawa va vous apprendre à siffler, car il a son badge de sifflement. Ouh! Ouf, ouf, ouf. En effet, tout d'abord, il faut inspirer profondément. Oh. Ensuite, il faut pincer les lèvres. Pincer les lèvres? Mm-hmm. Et enfin, on souffle. C'est à vous, les petits loups. D'accord. Continuez à vous entraîner, les petits loups. Regardez! Quel bazar! Wouf! Ça y est, j'ai réussi! Oui, moi aussi! Et moi aussi! Ah, mes oreilles! Ah. Oh, je n'arrive pas à siffler! Il ne faut pas abandonner! Oh, ce n'est pas grave, Betty. Tu sais faire plein d'autres choses. Comme répondre juste à toutes les questions. Tu sais très bien donner des ordres à tout le monde. Et tu sais être violette. Betty, tu viens de siffler. Vraiment? Ça y est, je crois que je commence à prendre le coup de main. Oh, désolé, Youpi, mais ce bassin n'est pas fait pour faire des ploufs. Ah bon? Il est destiné à tous les animaux. C'est un endroit calme, loin du vacarme de la vie de tous les jours. Une véritable oasis de tranquillité et de... Père! C'est quoi ces choses? Ton bassin est rempli de raisins secs qui gigotent, Wawa. Mais enfin, ce ne sont pas des raisins secs qui gigotent, Nini. Ouf, ouf, ouf! Ce sont des bébés? Tout à fait. On les appelle des têtards. Les têtards sont des bébés vers de terre? Non! Des bébés poissons? Non. Des bébés escargots? Non. Pas tout à fait, les petits loups. Les têtards sont en réalité des bébés... Grenouilles?
ils ne ressemblent pas à des grenouilles. En plus, ils ne font pas le même bruit. Tu es sûr de toi, Wawa? Oh, ouf! Oh, que oui, Wawa est sûr de lui, les petits loups. Il a son badge têtard. Ouh! Oh, ouf! Il est expliqué dans ce livre que les têtards ne ressemblent pas à des grenouilles au début de leur vie. Mais avec le temps, ils leur poussent des pattes. Ils deviennent verts et lorsqu'ils sautent hors de l'eau, ce sont des grenouilles entièrement formées. Alors ça, c'est impressionnant! Vous croyez qu'ils le savent? Eh ben, on va leur dire. Oui! Et lorsque vous sautez hors de l'eau, vous êtes des grenouilles entièrement formées. C'est une blague! Nous non plus, on n'en croyait pas nos oreilles. Ben, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Je vais rester comme ça pour toujours. Wawa, je t'ai déjà raconté qu'il y avait une fourmi qui s'était installée sur le siège de mon vélo. Je dois me déplacer à pied maintenant. Wawa n'est pas dans son assiette, Coccinelle. On ne sait pas comment l'aider, nous. La seule chose qu'il fait, c'est... À mon humble avis, il souffre d'une angine. Toutefois, ça pourrait être une bronchite, ou bien alors une pharyngite ou une laryngite. Peut-être même une inflammation de l'épiglotte. Je lui recommande une contraction des muscles constricteurs du pharynx, responsable de la déglutition. Hein? En d'autres termes... Essaie d'avaler. Ça va mieux? Ça n'a pas marché! Alors, où est-ce que j'en étais, moi? Ah oui, ça y est, il faisait une chaleur étouffante pendant mes vacances. La terre était toute sèche et toute craquelée. Il faut que Wawa essaye de s'échauffer la voix. C'est grâce à cette technique que j'arrive à chanter merveilleusement bien. Comme vous le voyez, faites comme moi. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Na 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 na. Na 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 na. Barou, barou. Barou, barou. Brou, brou. Oh. Wawa, est-ce que ça t'est déjà arrivé de rire tellement fort que du lait est sorti de tes narines? Wawa ne peut plus parler. Moi, ça me mettrait vraiment en colère. A-t-il essayé de crier? Non! Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Essaie de crier! C'est très facile. Elle est faite avec du lait? Non, mais sa couleur blanchâtre fait penser à celle du lait. Oh, ouf, ouf. Ah oui, la ceinture d'astéroïdes. Et les comètes cosmiques. Époustouflant. Waouh! Et enfin ici, au bout du système solaire, se trouve Pluton. Waouh! Bon, alors, on s'en va maintenant? Ouf! Quoi? Mais on n'a encore rencontré personne. Tu sais, nous ne sommes pas sûrs que l'espace soit habité, Betty. Ben, et les extraterrestres alors? Les petits extraterrestres tout verts? Et ceux qui sont grands et gluants? Et ceux qui sont tout bizarres? Et les petits extraterrestres tout mignons? Et les extraterrestres invisibles? Eh bien, on fait des découvertes encore et toujours. Jusqu'où va l'espace? Personne ne le sait. Alors oui, il pourrait y avoir d'autres créatures, quelque part. Regardez, c'est la Terre! Oui, Betty, là où nous vivons. Elle est minuscule! Elle est ronde! Elle est magnifique! Elle est parfaite! Oh! Hey, c'est l'heure de rentrer à la maison, Wawa! Regardez! Voilà la mer! Une île! Des montagnes! Un oiseau! Oh! Des vaches! Des moutons! Minette! Oh, la maison de Wawa! Les toilettes! L'espace, c'est incroyable! Ah.
Est-ce que les petits loups ont bien travaillé aujourd'hui, Wawa? Ouf! Bien joué, les petits loups! Vous avez mérité votre badge espace. Oui! Ah, et voilà vos parents. Il vous reste juste le temps pour une dernière chose. Un wakalin! Oh! Wakalin! Dehors! Partage! Petit, moyen, grand! Oh! Par forme! Fine! Carré! Ronde! Oh! Oh. Par couleur! Rose! Vert! Bleu! Oh oh, marron! Moi, j'ai besoin de tout organiser! Ah, même les animaux? Oui! Oui! Oh! Par forme! Triangle! Cercle! Demi-cercle! Nous avons de loin la meilleure de toutes les formes! Moi, je préférerais être carré. C'est pas la forme qui compte! Oh, pourquoi on m'a mis avec ces deux-là? Oui, Rosette! Rosette! Si on organisait les animaux par... couleur! Orange! Ah. Non, je crois pas, non? Gris! Pas cool, mon pote! Vert, rose, rouge, bleu, jaune! Oh! Pourquoi tu ne peux pas être d'une seule couleur? J'ai trouvé! On va les organiser par... taille! Petit! Moyen! Grand! Dites donc, nous sommes un petit peu à l'étroit là-dedans! Je ne sais même pas ce que je fais ici! Rosette! Pourquoi ils ne sont pas encore organisés? Peut-être que vous pourriez les organiser par... lieu de vie? Oui! Oui! Ma Rosette, enfin te voilà! On a fini! Nous avons tout organisé dedans et dehors! Est-ce que les petits loups ont bien travaillé aujourd'hui, Wawa? Oh, ouf! Bien joué, les petits loups! Tu veux prendre un peu le soleil, Pépite? Oui! Oh non! Les feuilles de Pépite n'arrêtent pas de tomber! Qu'est-ce qu'on va faire alors? Oh! Je viens livrer un courrier au petit bout. Tu veux dire les petits loups? Merci beaucoup, cher petit loup et chère Pépite. Nous nous frayons désormais un chemin à travers la forêt humide affamée. Ici, les créatures sont nombreuses, mais elles ne sont pas toutes nos amies. J'imagine que les feuilles de Pépite sont tombées, mais il ne faut pas s'en inquiéter. On doit se sauver! Signé Phileas Frog et Boris! Tout va s'arranger, ne t'inquiète pas. Il fait tellement froid, Wawa! Tu es sûr que Pépite ne va pas tomber malade? Courrier pour les petits trous! Les petits loups! Wow. Bonjour, chers petits loups. Vous savez, voyager est loin d'être facile. On n'a pas une seule minute de répit. La vie d'un aventurier n'est pas de tout repos. Ils ont tellement de courage. Oh, ce n'est pas tout. Il doit faire froid chez vous, alors faites en sorte que Pépite soit bien au chaud à l'intérieur. Maintenant, nous devrons continuer notre laborieux voyage. Comment on va tenir Pépite au chaud? Oh, ouf! Ah! Et voilà pour toi, Pépite. Tu es bien emmitouflé. C'est quoi ça? Je n'en sais rien du tout. Mais c'est de plus en plus gros. Les petits choux? Les petits loups! Merci beaucoup, mes chers petits loups.
Il fait tellement chaud. Nous sommes dans le grand désert beige. Il n'y a rien d'autre que du sable beige ici. Les créatures sont aussi très beiges. Oh, comme nous avons hâte de voir la splendide fleur de pépite qui est certainement en train d'éclore. Oh, ouf. Ah, c'est comme ça. Merci, merci Wawa. Plus de ballons. Les invitations sont prêtes. Oui. Mets-toi sur ton 31. Merci de confirmer. Et le plus vite possible. Oui. Ne manque pas la fête de l'année. Ribbit. Allez, viens à la fête surprise de Wawa. Cool, mon pote. La décoration est terminée. C'est quoi la suite? Le gâteau d'anniversaire. Brioche. Raisin sec. Le gâteau est terminé. Maintenant, on va le décorer avec tout ce que Wawa aime. La crème anglaise, les spaghettis, la salade verte et les vermicelles. Les préparatifs sont terminés. Oui, oui. Wawa. Ribbit. Surprise. Ribbit. Joyeux anniversaire, Wawa! Wouf! Ce n'est pas ton anniversaire? Mais pourtant, le facteur t'a apporté un cadeau emballé. Oh, wouf! Oh, alors ce n'est pas un cadeau? Oh, wouf! Tu as commandé des figurines? Oh, wouf! Pour la maquette que tu es en train de construire. Regardez, ils font la fête. Et nous aussi. Oui. C'est l'heure du gâteau. Il vous reste juste le temps pour une dernière chose. Un wakalin. Oh. Wakalin.